Hey, salut à tous, c'est NT, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo, le Canto Tour, ticket, festival, circuit, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais le circuit Canto, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, commence, eh bien, demain. Donc, aujourd'hui, pour vous, ce sera tout dans la même vidéo, mais aujourd'hui, du coup, je vais enfin choisir, eh bien, le Pokémon que... la version que je vais décider de prendre pour le Canto Tour. Pour ce fait, moi, j'avais acheté, eh bien, le ticket. Donc, il faut juste que je le retrouve, eh bien, juste ici, que je clique dessus. Et là, on me demande si je choisis la version rouge ou la version verte. Je me suis fait un petit listing des différents Pokémon qui me manquaient en Shiny en fonction de chacune des versions. Il m'en manque 4 de plus sur la version verte. Donc, du coup, c'est parti. On choisit d'ores et déjà la version verte. C'est good et on a choisi la version verte. Incroyable. Donc ça y est, on est ticket version verte. On se retrouve donc eh bien, dans quelques secondes, juste après eh bien, cette séquence, pour le début du ticket circuit Canto Tour Go Festival Insane Max Plus. A tout de suite. Mais juste avant de passer à la chasse, je voulais vous parler très rapidement de Level Up, les amis, cette boisson énergisante qui est partenaire de la chaîne depuis maintenant plusieurs mois. Sachez que j'ai 2 codes promo pour vous. Le premier, c'est le code NEWTITUF qui vous permet d'avoir 5% de réduction sur toute la boutique. Je vous rappelle qu'un pot, c'est 40 boissons énergisantes à mixer dans des shakers pour avoir eh bien, toute l'énergie nécessaire pour vos sessions de gaming ou pour vos sessions de Pokémon Go, par exemple. Et à partir de demain, les amis, donc lundi, vous pourrez utiliser le code NEWTITUF2 qui vous permettra d'avoir 3 pots pour le prix de 2. Donc du coup, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion. Merci à eux d'être partenaires. Le lien est dans la description, code NEWTITUF ou NEWTITUF2, suivant la promo qui vous intéresse. Retour à la vidéo. Et ça y est, c'est le début du circuit Canto et moi j'ai des œufs qui éclosent puisque je les avais incubés en me disant que peut-être il y aurait des œufs spéciaux, mais apparemment il n'y a pas vraiment de délire autour des œufs là pour le circuit Canto, ce qui finalement est pas trop mal. On commence avec un ferro-singe et malheureusement les œufs ne comptent pas hein, pour les différents défis qu'on va avoir. Je vous montre ça juste après. Il y a Willow qui a envie de me parler. Et donc, on va parler à Mr. Willow. Salut, Nutiteuf, regarde, je me suis entraîné. Bien le bonjour, bienvenue dans le monde magique de Pokémon Go. Mon nom est Willow. Enfin, on sait, ce monde est habité de créatures appelées Pokémon. Certains ont des Pokémon comme compagnons, d'autres pour les faire combattre. Moi, j'étudie les Pokémon, c'est mon métier. En fait, il reprend le même discours que le professeur Chen lors des premiers jeux Pokémon. Cela te rappelle quelqu'un ? Depuis bien des années, les dresseurs de Kanto entendent ces mots avant de se lancer dans leur exploration de la région. J'ai l'honneur de les prononcer aujourd'hui car tu es sur le point de partir sur ton propre voyage inspiré de Kanto. Mais nous ne pouvons pas te laisser partir sans préparation. J'ai rassemblé quelques fournitures que tu trouveras utiles. Merci beaucoup, Mr. Willow. Et bien, on va récupérer les différentes fournitures, comme il le dit, avec notamment des encens. L'événement dure de 9h à 21h. Je rappelle, pour ceux qui n'y ont pas participé, c'est un événement qui est payant, qui coûte 12€, un ticket que j'ai acheté il y a quelques semaines, et on pouvait choisir soit la version verte, soit la version rouge, et en fonction des deux versions, il y a différents Pokémon qui vont popper dans l'encens, et différents Pokémon qui vont avoir plus de chances d'être shiny. On va aller à la rencontre du premier Pokémon qui est un Bulbizarre, parce que j'ai choisi la version verte, donc du coup c'est forcément un Bulbizarre. Et on le capture, et ensuite eh bien, il va falloir réussir à faire tous les petits défis qu'on nous demande de faire. Notamment on va devoir eh bien, évoluer des Pokémon, on va devoir capturer des Pokémon en fonction des différentes zones, Bourpalette, Argenta, etc., etc. En fait chaque heure va être dédiée à une ville de la région de Kanto. Baie, potion, Pokéball, on dirait que tout est prêt. Alors que tu commences ton aventure aujourd'hui, essaie d'imaginer que tu marches dans les hautes herbes. Tu vas rencontrer un Pokémon qui sera un partenaire parfait pour ton voyage. N'oublie pas de prendre des photos des Pokémon que tu rencontreras en chemin. Quand on part à l'aventure, il est utile de tout documenter, découvertes et souvenirs. Et je suis sûr que tu en auras beaucoup. Ta quête des Pokémon est sur le point de commencer. Un tout nouveau monde de rêves, d'aventures et de Pokémon t'attend. Dingue!
La même phrase que pour le professeur Chen. Dans le circuit canton, on doit donc utiliser un encens pour avoir 50 Pokéballs, attraper 30 Pokémon, prendre une photo d'un Bulbizarre. On va devoir également regarder dans la quête aujourd'hui. On a donc des quêtes sur le circuit canto, vaincre tous les adversaires. On va devoir battre des adversaires spéciaux qui ne vont pas être du coup des Team Go Rocket, mais cette fois-ci ça va être des dresseurs, tout comme moi, qui ont soumis eh bien, tout simplement leur candidature pour être un dresseur dans cet événement. On va avoir des défis de collection par rapport à l'encens, par rapport aux échanges, par rapport au Bourg Palette. Et regardez, on voit bien que j'ai mon premier Pokémon du Bourg Palette, Bulbizarre. Il va falloir avoir Salamèche et Carapuce qui sont juste ici. Donc on va les capturer, on commence par Carapuce. Allez, le petit Carapuce, tranquillement. Et ce qu'on va faire, c'est que très vite, en fait, on va le faire évoluer, ce Carapuce. Comme ça, on va directement avoir les évolutions. Comme ça, ce sera top, puisque c'est quelque chose qu'il faut faire. Donc on va pas l'évaluer, on va l'évoluer. On évolue le Carapuce en Carabaf. Alors, on va juste vérifier si ça nous a bien fait la validation. En effet, visiblement, ça nous a fait la validation. On va aller le voir. On a plein de défis de collection, attention. Et donc, ça, c'est les défis d'évolution. Et regardez, on a bien Carapuce juste ici. Donc, ce qui va nous permettre eh bien, d'enchaîner et de le faire évoluer en Tortank. Parfait. Tortank, c'est bon. Et on va donc eh bien, cliquer sur le Salamèche comme ça. Ouh, bah Salamèche Shiny, incroyable. Ça, c'est top. On va mettre une petite frambie dorée. Vous êtes encore beaucoup dans les commentaires à me dire que les Shiny ne peuvent pas fuir. C'est faux. C'est totalement faux. C'est uniquement dans les raids que les Shiny ne peuvent pas sortir de la Pokéball. Mais sinon, dans la nature, les Shiny peuvent totalement fuir. En tout cas, on a un joli Salamèche juste ici. On va l'évaluer. Je voulais pas le mettre en favori, je voulais l'évaluer. Évaluer. Et il est une étoile. Et ben, très bien. Ça nous fait un premier Shiny. On va capturer tout ce qui nous tombe sous la main. Un petit Chenipan également. Et puis, on va capturer également Aspico. Puisque je vois qu'il est sur la map. On a vu également un sac de nœuds. Tout ça, c'est des Pokémon qu'on va devoir capturer pour valider notre collection. Au début, le but, ça va être de tout capturer. Et puis après, il faudra voir ce qui nous manque réellement. Je vois un Evoli par ici, par exemple. Est-ce que je peux le capturer? Oui. C'est un Evoli qui est sur mon pop du jour, en fait, tout simplement. Donc c'est plutôt cool. Et voilà, on capture tout ça à la suite. Je sais pas du tout comment je vais vous poster ça. Est-ce que je vous fais une grosse vidéo où il y aura le récap de toute la journée, ce qui me paraît très compliqué? Ou est-ce qu'il y aura plusieurs petites vidéos au cours de la semaine? Je ne sais pas encore. En tout cas, vous découvrirez ça, vous, au fur et à mesure. Aspico, viens là. Donc alors, si vous avez déjà capturé des Aspico, bien entendu, ils ne comptent pas, hein, bien entendu. Hein, c'est là, il faut les capturer aujourd'hui, enfin à partir d'aujourd'hui en tout cas. C'est parti, Aspico, c'est good. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un sac de nœuds et un Piafabec par ici. Piafabec qui est nouvellement dispo en Shiny hein, dans cet événement. Tous les Pokémon de Kanto sont maintenant disponibles en Shiny. Donc ça, c'est plutôt très top. C'est capturé pour ce Piafabec. Allez, on continue avec le sac de nœuds. Hop. Il est loin. C'est bon, on a réussi à le capturer. Et ce sac de nœuds, hein. Et non, il ressort, il s'enfuit. Très bien, merci sac de nœuds, ça fait grave plaisir. Un grand plaisir. Et bah écoutez, je vais checker les autres Pokémon et puis on se retrouve dès qu'il y a des nouveaux à récupérer. Pour la quête du professeur Willow, on a besoin de prendre en photo le Bulbizarre. Donc c'est parti, je vous propose qu'on le prenne en photo dès maintenant. Hello Bulbizarre, alors je ne l'ai pas mis en RA+, bah écoutez, c'est pas grave, ça m'arrange. Et du coup, oh, il y a un Ronflex, du coup, qui est en Pokémon... Eh bien de photobombe, donc on va cliquer dessus et il est juste ici. Ronflex qui peut également lui aussi nouvellement être shiny, ça c'est top. Regardez un petit Miaou, c'est l'un des Pokémon qui est boosté en shiny dans ma version. Malheureusement il n'est pas shiny, mais c'est intéressant de l'avoir.
Puisque oui, selon les versions, il y a différents Pokémon qui sont boostés. Par exemple, dans ma version, moi je vais avoir Goopix qui va être boosté en Shiny, alors que dans l'autre version, la version rouge, j'aurais eu Kaninos. Mais comme Kaninos, je l'ai déjà en deux fois en Shiny, j'ai déjà Kaninos et Arcanin, et bien j'ai pas vraiment besoin de l'avoir. Donc j'ai vraiment choisi comme ça. Et du coup, il y a 4 Pokémon de plus que je peux avoir en Shiny dans la version verte plutôt que la version rouge. Il est là, le quatrième starter. Le quatrième starter dans la version jaune cette fois-ci. Et il est capturé. Ça rajoute un Pokémon à notre collection. Non, pas du tout, il est ressorti. Dis donc, Pikachu. Allez, 1, 2. Et ça ressort encore une fois. Dis donc, ça ne veut pas rentrer ce Pikachu là. Il a pas envie. Il a juste pas envie. Bon bah c'est pas grave hein. Allez, on continue. 1. Non. Bon, je vais utiliser une Super Ball pour tenter, pour voir. De toute façon, il faut que je capture 30 Pokémon pour passer à la deuxième page de quête de Mr. Willow. C'est capturé pour le Pikachu. Donc on est sur d'autres Pokémon et on progresse dans le défi collection. Attention, un Magmar par ici. Ah, j'ai pas réussi à le choper. On fera les dresseurs un petit peu plus tard. D'abord, on va regarder un petit peu tous les Pokémon qu'il y a, notamment un Ramolos par ici. Allons-y, on le capture. Là, pour le moment, au début, c'est vraiment tous les Pokémon qu'on croise sont ajoutés à notre collection. Et ça, c'est plutôt cool. Et un Magmar, les amis, issu de mon encens. C'est l'un des Pokémon qui pop dans mon encens. Alors que les autres, je crois, ont Electek, si je ne dis pas de bêtises. 1, 2 et 3, c'est capturé pour ce Magmar, nouveau Pokémon issu de l'encens, ajouté à ma collection. Ça, c'est cool. Et Roucoule, le petit Roucoule. Eh oui, Roucoule, très important ça. Alors, il est boosté en Shiny dans les deux versions, hein, Roucoule. Voilà, qu'on ait la version rouge ou verte, il est boosté en taux d'apparition en Shiny. Ça peut être cool parce que moi, j'ai juste un Roucoule, j'aimerais bien avoir Roucoule, c'est Roucarnage en Shiny également. Alors regardez, il y a plein de trucs là, on a un Nosferapti, on a un Magnéti et un Chétiflore aussi. Chétiflore, ça c'est cool, j'aimerais bien l'avoir. Chétiflore, Ampiflore, Boostiflore, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi cette version verte et pas la version rouge. C'est pour Chétiflore que j'aimerais beaucoup avoir en chromatique. En tout cas pour le moment on est à un Pokémon chromatique qui est le Salamèche qu'on a eu au tout début. Notre premier Pokémon, notre premier Salamèche a été un Chromatix, c'est pas mal. Allez, let's go. C'est capturé pour ce Chétiflore. Et ensuite, je crois qu'il y avait un Nosferapti qui était par là. Il est là. Il est là. Tranquille, il y a des gens qui crient, c'est Paris. Vous inquiétez pas. Capturé pour ce Nosferapti alors que je n'ai plus de Pokéball classique et du coup je vais aller en récupérer et bien dans les récompenses de quête qui sont juste là. Voilà, récupéré et on a 50 nouvelles Pokéball. Nice. Alors du coup dans ce défi collection Bourpalette, il me manque et bien regardons, il me manque juste Rattata en fait et après j'aurai fini Bourpalette. Donc ça c'est plutôt cool. Ce serait cool qu'il y en ait un qui pop. Comme ça, on va pouvoir s'en sortir comme il faut. Bon, il y a un Ptera juste ici. C'est juste assez étonnant de le voir dans la nature. C'est pour ça que je m'arrête dessus. Puis j'imagine aussi qu'il faut réussir à le capturer. Donc, hop, on y va. Oh, il est loin. Allez. C'est bon, c'est un super. Et 1, 2. Ouais, ça ressort, bien entendu. Ça, c'était sûr. Je vais mettre une petite frambie dorée quand même. Parce que je sens qu'il va être un petit peu dur quand même à capturer. Allons-y. Allez, Ptera, rentre. 1, 2. Oh, ça rentre toujours pas. Il s'est enfui. C'est dommage. Si à la fin il me manque un Pokémon et que c'est Ptera, j'aurai le seum. Et on a Taignon juste ici. Pas Shiny, mais c'est l'un des Shiny boostés de ma version. On va faire un petit combat contre un mec, regardez, il est magnifique, il est déguisé en Togepi, j'ai l'impression. Tu vas me servir d'entraînement? Oui, bien sûr, tu vas surtout mourir avec tes Pokémon, toi. Qui est-ce qu'il a? Bon, on verra. En tout cas, moi, il m'envoie Itran, Tyranocif, Terral. J'ai envie de changer Itran et à la place de mettre mon Karchakroc que je vais soigner, bien entendu. C'est important, parce que Karchakroc, il est plutôt propre. On va utiliser cette équipe. Et attention,
C'est parti, il nous envoie en premier un Ronflex. Ok. Et bah c'est parti. Ronflex, c'est assez fort hein, quand même. Hein. Oulolo. Ok, bon, ça va qu'il charge très vite ses attaques. Mon petit Karchakrok. Est-ce qu'ils utilisent des boucliers ou pas? Non, ils n'utilisent pas des boucliers, d'accord. Bon bah ça c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est un peu comme des sbires roquettes du coup. Et non pas comme des leaders. Donc en vrai, ça passe. C'est plus simple que ce qu'on pourrait penser. En tout cas, ça avance bien avec la colère. Je pense qu'il doit y avoir des équipes qui vont être plutôt fortes au niveau des dresseurs qu'on va avoir en face. Mais il va aussi y avoir des équipes plutôt nulles parce qu'il y a des gens qui ont eu envie, voilà, je sais pas, de mettre les trois Evoli par exemple, ou des choses dans le genre. Donc il y aura un petit peu de tout, il va y avoir une variété assez sympathique de dresseurs, donc c'est plutôt très top. En tout cas, le Ronflex est tombé. On continue avec Melodelph. Melodelph qui risque de me faire assez mal. Je vais envoyer mon Metalos qui fera plus mal que ça. Parce que sinon, ça va être assez compliqué. Let's go, point météore. Ça va être assez destructeur contre un Pokémon de type fée. Et c'est good. Il reste un Pokémon, c'est gros doudou. Bah pareil, on laisse le même Pokémon. D'accord, donc en fait, il a voulu, je pense, mettre un peu des sacs à PV dans son équipe. Mais tranquille, on s'en est très bien sorti. Là, normalement, ça devrait le mettre KO. Parfait. Et on a donc battu un premier dresseur juste ici. Je n'arrive toujours pas à gagner après tout cet entraînement. Le pauvre. Le pauvre. Et ça nous donne quoi en récompense? Ça nous donne 20 balls. Ah oui, donc quand même plutôt pas mal de balls. Ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai un Rattata. Regardez, juste ici, c'est le Pokémon dont j'avais besoin pour terminer la collection Kanto, la collection Bourg-Palette plutôt. Et du coup, je vais pouvoir récupérer les récompenses de la collection Bourg-Palette. Ça tombe bien, puisque eh bien, l'heure Bourg-Palette se termine dans un petit quart d'heure. Donc après, on aura d'autres Pokémon. Et attention, il faut que j'aille juste ici. Et là, c'est réussi, la collection Circuit Kanto Go Bourg-Palette. On y va, on récupère. Et donc, on va avoir 151 poussières d'étoiles, 30 Pokéballs et... Et on va aller à la rencontre d'un Piafabec. Juste ici, ok, pourquoi pas. Piafabec, très bien. Et on va pouvoir ensuite continuer notre collection. Mon premier Sabelette, les amis, issu de mon encens. Ça, c'est un Pokémon qui pop que dans ma version, je crois. Vous avez quoi, vous, les autres, les rouges? À la place de Sabelette, c'est Ferrosinge. Ferrosinge, ouais, c'est vrai. Qui est aussi un bon Pokémon à avoir. Donc voilà, mais on verra après parce qu'il va falloir de toute façon qu'à un moment on fasse des échanges. Et c'est à ce moment-là qu'on verra les shiny potentiellement qu'on a en doublon. C'est qui? Carapuce. Bon, ça va. C'est pas incroyable non plus comme shiny. D'accord, y a pas de souci. Taignon juste ici, ça ce serait incroyable en shiny. Ça ce serait incroyable. J'arrive pas à cliquer dessus. Mais ce serait incroyable. 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 Attention, pas shiny. Je vais valider du coup la deuxième page de quête du circuit Kanto avec une petite apparition de sac de nœuds. Et après on va probablement faire un raid Sulfuras qui nous permettra d'augmenter notre collection raid. Puisqu'il y a aussi ça, il y a aussi un défi de collection raid avec eh bien, tous les Pokémon disponibles dans les raids qu'il va falloir qu'on fasse. Donc pas mal de choses à faire potentiellement. Mais ça va, ça suit son cours. Et puis il fait super beau. Contrairement aux semaines dernières, là il doit faire 10 degrés à peu près, mais on a le soleil dans le dos, c'est juste un bonheur. Et c'est parti, on valide la page de quête, 25 bonbons, 50 balls, et on va à la rencontre du Levenard. C'est lancé pour la Pokéball, ça ressort. Bon, lui il va pas s'enfuir vu que c'est un Pokémon issu de quête. On a fait un excellent. Il ressort direct. Il n'a pas du tout envie de venir. Je suis désolé, hein, pas forcément facile de lancer. Le Vénard, il est quand même assez loin. Bon. On va y aller à la Frambi. Et à la Super Bowl.
Voilà, là ça nous fait du vert, c'est mieux, super. Allez, 1, 2 et 3. C'est capturé pour ce Levenard. On va pouvoir passer à la page suivante qui nous demande encore une fois visiblement d'attraper 30 Pokémon. Comment se passe ton voyage, Nutiteuf? Tu as trouvé un partenaire Pokémon pour te rejoindre? Bien joué. À Kanto, les dresseurs ont souvent le choix entre 3 Pokémon partenaires. Le premier Bulbizarre, le Pokémon Graine. Deuxième Salamèche, le Pokémon Lézard. Et le troisième, eh bien c'est Carapuce, le Pokémon Mini Tortue. Chacun de ces Pokémon a ses forces et ses faiblesses, alors réfléchis bien. Mais pour l'instant, place à l'aventure. J'aimerais que tu passes un peu de temps avec ton Pokémon copain. Le lien entre un dresseur et son Pokémon sont de la plus haute importance. Que dirais-tu d'une petite promenade avec lui? Du coup, on doit gagner 3 cœurs avec notre copain. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que, bam, je vais juste jouer avec lui de manière à lui filer des friandises et qu'il sorte. Et ensuite, eh bien, ce sera parfait. Je vais lui donner un Poffin. Hop. Et c'est good, le Poffin lui donne directement toute l'amitié, on a gagné 3 cœurs avec lui, c'est parfait. Et donc, ensuite il faut attraper 30 Pokémon et faire évoluer Bulbizarre. On va donc faire ce raid Sulfura dès maintenant. Allez, ce raid va déjà se finir, alors qu'il a à peine commencé, puisque on est quand même beaucoup trop fort, on est 15. On est 15 sur le Sulfura, il peut être shiny hein, bien entendu, hein. Ça c'est une possibilité. Mais en tout cas, il vient de tomber, il est ok, et on va découvrir eh bien, si ce Sulfura est chromatique ou non. En tout cas, il est PC 1945, je crois, 10 000 d'XP. Et Sulfura totalement classique. Et c'est capturé pour ce Sulfura, premier raid de cette journée. Et du coup, ça nous a validé le défi de collection. C'est top. C'est top, c'est top. Et est-ce que je peux récupérer des trucs par ici? Oui, j'ai plein de quêtes, hein, les amis, que j'ai pas validé. Il faut 3 cœurs avec le Pokémon copain, 30 Pokémon. Et faire évoluer un Bulbizarre. Donc on va aller dans nos Pokémon. On va aller chercher notre Bulbizarre. Et on va le faire évoluer dès maintenant. Toujours un seul Shiny à mon compteur. C'est quoi votre compteur de Shiny, vous? 3. 3. 8. Je dirais 6. 6. 0. Et 2, très bien. Donc je suis pas le pire, mais je suis loin d'être le meilleur. Et Bulbizarre évolue en Herbizarre. Et regardez, on a des nouveaux Pokémon, notamment Rakaillou, juste ici, qui est l'un des Pokémon de ma version, qui peut être shiny avec un taux boosté. Ça peut être grave top. En tout cas, il faut le capturer pour la collection. On a changé d'heure, hein, et on doit être sur l'heure Argenta, là, non? Oui. C'est ça. On a fini la. D'où les Rakaillou, parce que Rakaillou. Eh bien, Pokémon de Pierre, le champion d'arène. Plutôt top. Puisque là, il est 10h03. On va cliquer sur le Rhinocorn également. Puisque lui aussi, il faut que je le capture. Il renvoie la balle. Je lui renvoie la balle. Il est dans la balle. La balle tourne. 1, 2 et 3. Et c'est capturé. Pour ce Rhinocorn, on avance bien. On a un Voltorb par ici. Allons-y. Le voici. Hop. Un nouveau Pokémon plutôt cool à avoir et qui va compléter encore une fois notre collection de Kanto. Bon, ça avance bien. C'est plutôt cool. Va falloir que je me fasse également un deuxième dresseur. Ouh, Loclas qui vient de popper. Allons-y. Loclas, c'est intéressant ça. Ouh, l'excellent. Allez, c'est parti. Il ressort instantanément. Ok, on va utiliser une Frambie dorée. Vous savez quoi sur le Loclas? Hop, comme ça, il rentrera tranquillement, normalement, dans la Pokéball. 1, 2 et 3. C'est capturé pour Loclas. J'ai eu un autre Ptera tout à l'heure, donc du coup, ça me fait deux gros Pokémon, on va dire, de capturer. Ça, c'est plutôt cool. Rhinocorn juste à côté. On a un Paras. Tiens, je l'ai pas encore capturé, Paras. Allons-y. Paras. 1, 2 et 3. C'est capturé également. Bon, bah voilà. Hein, on avance bien là sur. Sur ce défi, y a-t-il encore un Pokémon que je n'aurais pas capturé, que je devrais capturer? Pas spécialement. Je check quand même les autres. Et on va se faire un petit combat contre un dresseur.
On m'invite à un raid canard tichot juste ici. On va le faire. Je le fais parce qu'on m'invite. Et qui commence genre dans littéralement 15 petites secondes. Donc allons-y. On y va, on fait ça. Bon, le canard tichot qui va tomber très très vite hein, parce qu'en fait on est déjà énormément dans ce raid. Je pense que ça va le faire. Ah, quoique, attendez, il perd pas si vite que ça des PV. Hein. On est que 4 en fait, c'est aussi ça. Hein. On est que 4 là dans ce raid. Mais ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Il descend vite, il est déjà à un quart de sa vie. Et c'est good pour ce canard tichot en raid qui valide notre quête. J'espère ne pas l'avoir en shiny puisque j'en ai déjà 3 hein, de canard tichot shiny. Donc ce serait un petit peu. Un petit peu dommage, je préférerais avoir un tauros ou quelque chose dans le genre. Alors c'est parti. 5000 d'XP. On va à la capture et. Il est shiny. Mais c'est incroyable. Bah au moins ce sera. Je pourrais vous l'échanger. À moi. Voilà. J'ai dit en c'est déjà ça, mais c'est incroyable. Non mais non mais c'est. En plus je l'ai dit, je préférerais qu'il ne soit pas shiny. À chaque fois que c'est ça. Vous savez que j'ai eu Love Disc Shiny, ça vous le savez pas parce que c'était hors vidéo, mais j'ai eu Love Disc Shiny pendant l'heure vedette. Et je ne voulais pas l'avoir en shiny et je l'ai eu. Très bien, et ben super. Merci merci Cartio, 3 étoiles, il est plutôt propre. C'est cool. Le retour des guêpes. Tiens, il y a des guêpes, ça y est. Abeille. C'est une guêpe ça. Non, c'est ah c'est une abeille. Ok, bon bah tout va bien alors. Si c'est une abeille, tout. T'es correct. On va donc valider la première page du circuit Go Kanto où il faut vaincre eh bien, les adversaires puisque j'ai vaincu les deux adversaires nécessaires. C'est plutôt top. Et on a un Evoli en Pokémon à capturer. J'en avais déjà capturé un donc c'est pas comme si ça me complétait ou quoi. Et là on va aller faire un raid Tauros. Peut-être que je vais avoir canard tichot et Tauros, je ne sais pas, en shiny, ça pourrait être drôle. En tout cas, on avance, il y a pas mal de Voltorb. Voltorb, j'aimerais tellement l'avoir en shiny parce qu'il est bleu et il est trop trop beau. Donc ce serait quelque chose de plutôt très très cool. En tout cas, je continue hein, à checker sans relâche les Pokémon de manière à voir si potentiellement, ils sont shiny. En tout cas, pas mal de Pokémon. Et c'est parti pour. Et c'est parti pour le raid. Allez, les buffs rembidorés, les hyper potions, 5000 d'XP encore. Aujourd'hui, on va se faire aussi pas mal d'XP, c'est ça qui est cool. GG ! Pas shiny de mon côté. Allez, on lance la capture. Et c'est top. 1, 2 et 3. C'est capturé sur ce Tauros. Parfait, le défi qui augmente petit à petit. On a des Levenards, des... qu'est-ce que c'est à côté là? Un Excellangue. Un petit Topiqueur juste ici. Plutôt cool parce que je ne l'avais pas encore. Et... il ressort direct. Ok, j'ai cru qu'il allait... partir, mais non, on va juste mettre une frambie classique. Ils me font peur moi quand ils partent comme ça. Allez, let's go. Laissez capturer. Normalement, à la Pokéball, avec une petite frambie, c'est capturé. Bien. Du coup, dans la quête de collection Argenta, du coup, je crois que c'est ça. Il me manque. Ah oui, il me manque encore. Onyx, les deux Nidoran et Mélofée. Donc il va falloir les trouver, mais là pour le moment, ils ne sont pas là. Il y a un Tarinor. Par rapport à quel Tarinor, le Pokémon de la première génération. Il s'est même pas issu de mon encens ou quoi. Par contre, il y a un Onyx aussi. Ça, c'est cool. C'est cool. Onyx. Hop. On lance le super. Il est sur le Pokéstop qu'elle a. Et c'est capturé. Le Mélofée qui pop avec mon encens. Mélofée que j'ai eu en shiny hein, la dernière fois dans la dernière vidéo. Si vous n'avez pas vu. Quoi ? Il y a un leurre magnétique là. Ah ouais ? Oui. C'est l'ancienne. Pourquoi tu veux faire un leurre magnétique ? J'ai un magnéton 4 étoiles que je veux faire évoluer. D'accord. Et eh ben bon courage. Allez. Maintenant il nous faut juste les deux Nidoran. Et ça sera good.
Nidoran, avant-dernier Pokémon pour terminer Argenta. Il est 10h23, on a encore 37 minutes pour trouver le deuxième Nidoran qu'il nous faut, le Nidoran mâle cette fois-ci. Mais là, on est sur un Nidoran femelle qui est capturé, donc ça c'est plutôt très très cool. Et j'arrive près d'un dresseur qu'on va combattre tout simplement. Je check juste s'il n'y a pas des petits shiny avant de lancer le combat. Je suis un peu en contre-jour parce que là le soleil est quand même très très bas, donc c'est vrai que vous me voyez peut-être en contre-jour. Au pire, on se dit que c'est un effet de style. Au mieux, c'est un effet de style. Et vous l'avez vu, il a popé sur la map. Le deuxième Nidoran. Donc là, ça y est, on va avoir complété la quête Argenta s'il rentre dans la Pokéball. Ce qui peut être plutôt très très cool. Et il rentre. Donc ça y est, on est bon pour ce défi de collection Argenta. On va pouvoir récupérer la rencontre. C'est pas ici. Je suis au mauvais endroit. Argenta, il est juste là. On récupère les 151 poussières d'étoiles. On récupère les potions, les balls et surtout la rencontre qui est un paras. Allons-y. Et j'ai mon masque qui tombe. C'est un peu relou, mais ça va. Je le remets, je le replace. C'est vrai quand on parle en général, les masques tombent. Le dialogue fait tomber les masques. Et c'est parti, défi de collection terminé. Donc normalement, on va récupérer, je pense, une médaille. Normalement, on va avoir une médaille. Si je dis pas de bêtises, voilà. On a une nouvelle médaille de collection. Et on va pouvoir cliquer peut-être sur ce Mélophée, qui est totalement classique. Allez, c'est parti, on va se faire ce combat contre le dresseur. C'est Malibuleo. Mais je l'ai pas déjà eu, lui, Malibuleo ? Je crois que je l'ai déjà eu. Je crois que j'ai déjà fait un combat contre lui. Dis donc, il n'y a pas assez de diversité, là. Allez, je vais soigner mes Pokémon. Et je lance le combat. Je vais bien entendu pas vous montrer tous les combats que je fais, parce que plus les pages avancent, plus il va y en avoir à faire. Donc du coup, je vous montre bien entendu pas tout, c'est logique. On va se lancer dans un raid Monsieur Mime cette fois-ci, pour compléter la quête collection de raid. C'est parti pour le raid Monsieur Mime. Ça commence maintenant, et ça se termine dans pas longtemps, parce que on va aller plutôt très très vite. On est 7, et sa vie descend rapidement. Petite attaque chargée qui fait plaisir à la mâchouille. Et il est déjà la moitié de sa vie. Monsieur Mime qui pourrait être shiny. Alors moi, je veux pas l'avoir en shiny parce que je l'ai déjà. Voilà, je l'ai déjà en shiny, Monsieur Mime. Allez, c'est bon, Monsieur Mime est tombé. 5000 d'XP et il est pas shiny. On le capture et ce sera top. Et l'œuf 5 km. Je crois que c'est mon dernier œuf que j'avais d'incubé. Ah non, j'en ai un 12 normalement, je crois. Celui-ci, c'est un Ponyta. Et est-ce que j'ai un autre Pokémon derrière? Je ne sais pas. On va cliquer sur le Paras quand même. Rien sur ce Paras. Où est-ce qu'on en est sur nos quêtes? Regardons. Alors, dans les quêtes aujourd'hui, on doit encore faire évoluer 3 Pokémon et recharger un Pokémon 3 fois, donc ça va être faisable dès maintenant. Et dans la quête spéciale, il faut attraper 30 Pokémon et gagner 3 cœurs avec notre Pokémon copain, donc ça aussi, c'est faisable. Je vais donc procéder à faire quelques petites évolutions. On va aller chercher, n'importe quel Pokémon en fait ferait l'affaire. Ponyta qu'on va faire évoluer en Galopa. Un Sablette qu'on va faire évoluer en Sablero. Et Nidoran mâle qu'on va faire évoluer en Nidorino. Je vais par la même occasion recharger 3 fois le Nidorino. Comme ça, je pourrai valider cette quête et passer à la 4ème page, si je ne dis pas de bêtises. Regardons ça. Bam bam bam. En effet. Non, 3ème page. On passe à la 3ème page. 3ème page qui va nous demander d'autres petites choses, notamment de combattre dans un raid, de gagner un raid et de battre 3 adversaires du circuit Go.
Deuxième raid légendaire qu'on va faire aujourd'hui, et c'est un raid Articodin. Articodin qui est le seul des trois oiseaux légendaires que je n'ai pas encore en shiny. Donc l'avoir en shiny pourrait être plutôt très cool. Donc bah, on espère y arriver. Allez, c'est good pour Articodin. On a combattu dans un raid, on a gagné un raid et il est pas shiny pour moi. Il est shiny pour toi ? Bravo Loïc, c'est son premier shiny du jour. C'est un Articodin. Propre, bien joué. Et pour moi, c'était une capture critique pour cet Articodin. Nice. Je vais caresser un petit coup mon Riolu de manière à pouvoir avoir un cœur avec lui. Voilà, comme ça c'est fait. Il m'a offert un souvenir cactus. Et ben merci à vous. Vous êtes génial. Et du coup maintenant je vais pouvoir valider la troisième page du circuit Kanto. Et donc passer à la quatrième page. C'est parti, on capture ce Pokémon qui est un Osselet. C'est cool, lui je l'avais pas encore capturé, donc ça va nous le rajouter. Plutôt top. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3. C'est rentré pour cet Osselet. Et Willow va nous parler de la page suivante. Que nous dit-il ? Beau travail, dresseur. Content de voir que tu te rapproches de ton copain. Continue comme ça. Quand on parle de dresseur, on parle souvent de technique de capture ou de stratégie de combat. Mais je trouve que l'amitié est aussi essentielle. Je suis d'accord avec toi, Willow. Les relations que tu établis avec ton Pokémon sont très importantes, mais les amitiés que tu noues avec d'autres dresseurs le sont tout autant. Vos parcours et vos objectifs peuvent varier, mais au final, vous êtes tous des dresseurs. Tu dois faire de ton mieux pour établir des liens avec les dresseurs que tu rencontres au cours de tes voyages. Dans cet esprit, pourquoi ne pas envoyer des cadeaux à tes amis pour égayer leur journée ? Je suis sûr qu'ils adoreront avoir des nouvelles de toi. Envoie 3 cadeaux à des amis, fais 3 échanges et utilise un encens. Alors l'encens, on va l'utiliser dès maintenant parce que de toute façon il va se cumuler au précédent. Et je vais aller dans ma liste d'amis et envoyer 3 cadeaux. Je vais en envoyer un à Akaxilia, qui est littéralement juste à côté de moi. On va en envoyer un à Edoflo, qui est lui aussi juste à côté de moi. Et on va en envoyer un troisième à Olimar. C'est parti. Et donc les 3 cadeaux ont été envoyés, ensuite il faudra faire des petits échanges. On va donc faire avec Camille les échanges nécessaires. Camille ayant la version rouge et moi la version verte, on va pouvoir se faire des petits échanges un petit peu sympas. Je vais commencer à lui proposer un Chétiflore. Il va me proposer un Electek. Super. Let's go. On y va. Et du coup, ça va nous permettre de compléter la quête avec les échanges de Pokémon, mais aussi de compléter la collection avec les échanges de Pokémon. Donc, c'est plutôt top. Et c'est envoyé. J'ai un bug d'affichage, mais tout va bien. Et Electek est juste ici. On va l'évaluer pour voir. Et il est il est 0 étoile. Allez, nouvel échange. Cette fois-ci. Cette fois-ci, un Magmar. Je vais essayer de lui trouver. Magmar, je l'ai là. Magmar contre Abo. Suivant. On y va pour l'échange, qui coûte très peu cher. Je crois que les échanges sont divisés par 2 en termes de coût. Au lieu de 200, c'est 100. Donc c'est vraiment pas cher. Et on peut aujourd'hui également faire 6 échanges spéciaux. C'est-à-dire potentiellement avoir 6 shiny. Donc ça peut être très très cool également. C'est good pour le Habbo. On l'évalue, on regarde. Il est une étoile. Et en dernier, moi je vais filer un petit Miaous. Non, pas celui-là. Un Miaous, il est où ? Miaous, 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 Miaous. Est-ce que je l'ai capturé même le Miaous ? Oui. Il est là. On va capturer. On va envoyer le Miaous contre un Caninos. Et donc ça y est, on aura fait nos 3 échanges nécessaires. On en fera d'autres bien entendu tout à l'heure pour pouvoir compléter tous les échanges. On a donc changé d'heure et maintenant on est l'heure Azuria, les amis, avec des Krabis. Il y a également des rondoudous que j'ai vu. Il va y avoir d'autres Pokémon. C'est cool. C'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé avoir Rakaiou Shiny sur leur Argenta, mais c'est pas grave. Les heures tournent et donc il y aura une deuxième phase de Pokémon d'Argenta plus tard dans la journée, puisque ça revient toutes les 5 heures. Allez, un petit Poissirène cette fois-ci. Let's go, on enchaîne. On enchaîne. Ah oui.
Là, ça y est, qui dit nouvelle heure dit nouvelle phase de capture en masse. Et eh ben, ils ont du mal à rentrer là, les Pokémon d'Azuria. J'ai grave du mal. C'est pas grave. Allez, 1, 2 et 3. C'est capturé. Et la progression du défi est à 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Psychoquack par exemple, juste ici. Ça c'est cool. Psychoquack que j'aimerais beaucoup également avoir en chromatique. Il est bleu, il est magnifique. J'aime beaucoup. Et donc du coup j'aimerais bien l'avoir. 1, 2 et 3. C'est capturé pour le Psychoquack. Est-ce qu'on a d'autres Pokémon par la suite? Excellent. Pas nécessaire, tu as gagné une médaille sans Pokémon échangé. Ah bon, j'ai échangé que 100 Pokémon. Je ne savais pas. On va pouvoir avancer, je pense, et on se rapproche dangereusement des Champs-Élysées. Petit Starry qui va être important pour ça. J'aimerais bien avoir un Starry Shiny aussi. Ce serait... Il est plutôt joli. Et c'est capturé. Hippotramp également nécessaire pour la collection Azuria. Enfin, j'assume que c'est ça. Après, je ne sais pas si c'est exactement le cas, mais vu que c'est un Pokémon quand même qui est présent à Azuria dans les jeux vidéo, c'est plutôt pas mal. Dans la série aussi. Dans la série animée elle aussi. A un Azuria, enfin, c'est vrai. Elle a un Azuria. Elle a un Azuria à Hippotramp, ouais, c'est vrai. Et c'est capturé. Hippotramp qui peut être shiny. J'ai grave envie de l'avoir en shiny. Et Coquillas, juste ici, qui doit être également un Pokémon hein, dans la quête Azuria. Ça va, ça se passe très très bien pour le moment. Tout roule. Je sais pas si je l'ai échangé. On m'invite à un raid. Elector, bah on va pas le faire tout de suite puisqu'on a un Elector juste à côté. Nous allons le faire ensemble. Together, 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 everyone. Je vais valider la quatrième page du circuit Kanto. Puisqu'on a maintenant fait les échanges, donc que c'est good. Et on va arriver sur la cinquième page. Mais avant tout, on a une petite rencontre d'un Exelang qui est très très loin, donc assez dur à toucher. Hop, parfait. Et on a une quête fait 3, je vais les lancer à la suite, j'ai l'impression. Oui. Bon, ça va être assez simple à faire, d'autant que là on va sur un raid Elector, donc il y a moyen que des jolis lancés à la suite, on en fasse pas mal. Attrape 10 espèces de Pokémon différentes aussi, j'ai l'impression. Bienvenue dresseur, j'espère que tu as apprécié de rencontrer d'autres dresseurs. Je vois que tu as même pu échanger quelques Pokémon. L'échange est un excellent moyen d'acquérir des Pokémon que tu n'aurais pas rencontrés autrement. Et non seulement tu obtiens une nouvelle entrée dans ton Pokédex, mais tu as un nouvel ami. Tu as fait de grands progrès dans ton voyage, il est temps de démontrer les compétences que tu as acquises en chemin. Que dirais-tu de montrer ton savoir-faire en attrapant quelques Pokémon? N'oublie pas d'utiliser tes baies. J'aime particulièrement les baies Nanana, elles permettent de gagner des bonbons supplémentaires. Donc il nous faut faire 3 jolis lancers, attraper 10 espèces de Pokémon et utiliser 20 baies pour t'aider à attraper des Pokémon, ce qui devrait être assez rapide. Magikarp nécessaire, hein, j'imagine, pour la collection Azuria. On y va, on le lance. Ah, série interrompue, bah oui, puisque j'ai pas fait plusieurs jolis à la suite. Et c'est pas grave, on aura l'occasion de les faire un autre moment. C'est capturé, j'aurais dû mettre une baie Nanana, je suis bête. C'est pas très grave. Allez, c'est good pour ce défi. On a un Magmar par là, on a un Hippotramp au loin. Et ensuite, on va faire eh bien, ce petit Elector. Puisqu'on en a besoin pour la quête des raids. Tentacool également, qui peut être grave cool, justement. Hop! Il est issu de mon encens, il est issu de mon encens. C'est capturé pour ce Tentacool. Et on va pouvoir nous rendre dans le raid Elector avec un petit pass gratuit. C'est parti. C'est parti pour le raid Elector, on est une dizaine de personnes. On va pouvoir aller assez vite là-dessus. Allez, c'est good pour cet Elector. Elector que j'avais galéré, je crois, à avoir en shiny lors de... Dixième, je crois. Ouais, je l'avais au bout du dixième lorsqu'il y avait... C'était l'époque où il y avait des heures de raid légendaire qui duraient 3 heures, il me semble. Et on pouvait faire beaucoup de... Beaucoup de raids à la suite. On va au défi bonus et...
Il est pas shiny, hein. Non, c'est pas shiny ça. Je vais utiliser des baies nanana pour essayer de le capturer, parce que j'ai besoin d'utiliser des baies nanana, et je vous tiens au courant. Un petit art, juste ici, pour la quête Azuria, j'imagine. Et puis il y a également un rondoudou, je pense qu'il fait partie également de cette quête Azuria. 1, 2 et 3, c'est capturé pour le petit art. Et on va ensuite capturer le rondoudou qui est juste ici, le voilà. Pour le moment, compteur de shiny toujours 2, hein. On a eu un salamèche au tout début, puis un canartichaud en raid. Et rien depuis. Là où d'autres ont eu beaucoup plus de shiny, mais c'est toujours comme ça, c'est toujours assez aléatoire. Et j'ai fini le défi de collection Azuria. Oui. T'as eu quoi, Flo? Tainion, yes, Tainion shiny, incroyable. Ça c'est cool, c'est un beau Pokémon, hein. C'est un beau Pokémon à avoir. J'aimerais bien l'avoir aussi, donc bravo, bravo, bravo. Alors. Où est la quête Azuria? Elle est là. On va récupérer le Pokémon. Le Pokémon mystérieux. Et c'est un Poissirène, totalement normal. Parfait. Et je vais pouvoir valider cette cinquième page de quête circuit Kanto Pokémon Go avec ses rencontres. Le Ptera dans un premier temps. Ptera capturé. Et ensuite, on enchaîne avec. Alors je vais juste cliquer sur le petit art, on sait jamais, il peut être shiny. Je vais cliquer également sur l'hippotrempe, on sait jamais, il peut être shiny. Et on va valider la suite de ces quêtes. On a un pass de raid premium, ça c'est cool, 25 bonbons osselets et une mystérieuse rencontre qui est un Ronflex classique. Et le Ronflex est capturé, je pense que notre ami Willow va encore nous parler. Il y a plein de tentacules là juste ici. Hein. Juste en face, il y a plein de tentacules. Je sais que vous en cherchiez, c'est pour ça que je vous dis ça. Je suis sûr que j'avais un stock de bananana quelque part. Oh salut, Nusitef. On dirait que mon goûter va devoir attendre. J'ai vu tes progrès, je suis très impressionné. On dirait que tu parviens à relever tous les défis. Comme tu le sais, sûrement, un dresseur digne de ce nom doit avoir une bonne équipe de Pokémon pour affronter d'autres dresseurs ou défier des Pokémon dans des raids. C'est le moment idéal pour recharger certains de tes Pokémon et renforcer ton équipe. Tant que tu t'en occupes, je vais me pencher sur une rumeur que j'ai entendue. On a signalé des rencontres avec un Pokémon capable de se transformer en un autre Pokémon. C'est fascinant. Je ne manquerai pas de partager ce que j'ai trouvé à ton retour. Recharge un Pokémon 5 fois, combat dans 3 raids et fait évoluer un Pokémon. Très bien. Oh, petit art shiny! Yes! Ça, c'est cool. Petit art. Beaucoup trop cool. Il est juste un tout petit peu plus clair que d'habitude. Ah là là, beaucoup trop cool ça. Oui. Donc c'est donc le troisième shiny et enfin un shiny que je n'avais pas. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Yes, petit art est attrapé. On va l'évaluer. Et il est 3 étoiles, il est plutôt cool. Et bah écoutez, ça c'est top. Ça c'est grave top. Je suis en train de capturer le dernier Pokémon issu des encens que je devais capturer pour valider la collection encens. Donc c'est parti, c'est capturé le Goopix. Et donc du coup je vais pouvoir aller dans mes Pokémon. Pas dans mes Pokémon, pas du tout. Dans aujourd'hui. Et version verte, encens, c'est validé. Et du coup, ça nous donne un encens. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc du coup, une nouvelle quête validée. Une nouvelle quête de collection de validée. C'est plutôt très, très top tout ça. Alors, troisième page du circuit Kanto, vaincre tous les adversaires. On la valide. À chaque fois que je commence à tourner, il y a les flics qui arrivent ou les ambulances ou les pompiers. Toujours. C'est un low class du coup. On va le capturer. C'est bon. Low class est capturé. Et on va pouvoir regarder maintenant ce qu'on nous demande. On nous demande donc sur la quatrième page de recharger un Pokémon 5 fois, de battre 3 fois un adversaire au circuit Pokémon Go avec mon copain et de battre 5 fois des adversaires sur le circuit Pokémon Go. Ok.
Cette fois-ci, on va partir sur un raid Kangourex, qui est un autre régional dispo dans les raids. Et c'est good pour ce Kangourex. C'était plus Cyril Hanouna que Nikos. Hein. Ouais, mais je sais pas. Allez, let's go. Les 5000 d'XP qui font plaisir. Combat dans 3 raids, ça se valide. Et pas shiny du tout. On s'est posé pour manger et c'est le début de l'heure par Mani, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, on a d'autres nouveaux Pokémon à capturer. Notamment ici, un Smogo. On a un Ponyta également juste là. Suivi d'un Kabuto. On a ensuite un Nipnomade, soporifique, la même chose. Sauf que c'est son petit quoi. Ah non, j'ai fait tomber de l'avocat sur mon téléphone. Un tas de morve. On enchaîne avec un 9-9. Tu bloques le nid. Yes. Yes, yes, yes. Trop cool. Il est tout doré, tout gold. On pourrait le mettre sur une étagère, ce serait un trophée. 2 et 3. C'est capturé. Yes. Grave cool. Est-ce qu'il est bon? Il est full en défense, presque full en PV, mais il est à 0 en attaque. Dommage. Oh, Fantominus. Fantominus, c'est... Ah bah si, c'est ça. Oui, Fantominus, c'est le fort. C'est pendant cette heure-là? Oui. Je pensais que c'était... Ah bah non, l'heure d'après, c'est la Ligue Pokémon. Tu as 30 Pokémon évolués. Allez. Hein, il y a Mewtwo Il y a Mewtwo qui vient d'arriver? Non, pas vraiment. Je le vois. Il est là-bas, oui. Il est là-bas. Eh, salut Mewtwo. Ça va bien? Ah ou Abra? Alors Abra, on met une Franbi dorée et une hyperbole parce que sinon il se casse. C'est capturé. Moi non plus il est pas frais, hein, quoi. Oh. Scarabouche shiny. Non. J'en ai déjà, ouais. Mais ça va. Mais c'est cool quand même. On a fini de manger, il y a monsieur... Ah, trop cool. Il y a monsieur Pikachu, là. Celui qui est trop facile à battre. Du coup, on va le battre. Il est vraiment incroyable. Hein. Juan Evoli, franchement, le BG. Parce qu'il a une team nulle. Et du coup, elle est trop simple à battre. J'ai même pas soigné mon Tyranocif, pour vous dire. Mon Tyranocif n'est même pas KO, alors qu'il avait plus de vie. Vous vous rendez compte à quel point, vraiment, Juan Evoli, il a une team claquée au sol, mais je pense... Si vous avez fait vous aussi le canto tour, ça a dû faire votre bonheur en fait, qu'il soit si mauvais. Parce que c'est vraiment trop cool de le battre. Ammonita shiny en plus, ça c'est génial parce que je l'avais pas, mais c'est surtout pour la quête. J'en avais besoin pour la quête de collection. Yes, yes, yes. T'as dit quoi? J'ai entendu. Casse les... Ma collection. Les... Ah, d'accord, ok, je croyais que tu parlais de moi. Non, non. Et c'est good. C'est capturé et on a terminé le défi de collection. Incroyable. Beaucoup trop cool. Combien de temps il reste dans le raid? 77. Allez, on va maintenant faire un raid Mewtwo. C'est parti pour le raid Mewtwo. Bon, si quelqu'un pouvait l'avoir en shiny, ce serait quand même assez sympathique. Loïc a envie de l'avoir en shiny, on lui envoie de la force. Et regardez, je bats le Mewtwo, et qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Encore les ambulanciers qui viennent. Les ambulanciers? Toujours. Je sais pas, les pimponniers là? Ah non, c'est les gendarmes. On a 16 balls et... Pas shiny de mon côté. Shiny nulle part. Shiny nulle part. 2913 pour moi. Il est boosté par le vent. C'est capturé pour le Mewtwo. Donc ça c'est cool, défi de collection raid terminé. On va l'évaluer, il est 2 étoiles, donc vraiment nul. On va aller récupérer nos 2 trucs. Donc on va avoir le Kanto Parmani qu'on peut récupérer avec une rencontre
qui est un Mimitos. Et là, ça me valide les défis médailles pendant que je capture le Mimitos. Incroyable. Allez, la boule. C'est good. Allez, 1, 2 et 3, c'est capturé pour le Mimitos. Et on va pouvoir valider là le défi collection des raids. Alors, où sont-ils? Les raids, ils sont juste là. Les voici. Attaque immédiate, attaque chargée. Un mystérieux Pokémon et c'est un Ronflex. Deuxième Mewtwo, parce que tout le monde n'avait pas réussi à le capturer, donc du coup on en a fait un deuxième. Et c'est-à-dire que c'est une deuxième chance de l'avoir potentiellement en Shiny. Alors moi je l'ai déjà une fois, mais je dis pas non à un deuxième. En tout cas, ça complète notre quête combat dans 3 raids. Et il est pas Shiny. Je dois recharger un Pokémon 5 fois pour pouvoir eh bien, avoir la suite de la quête du professeur Willow. Ça c'est bien. Voilà, recharger un Pokémon 5 fois c'est fait. Et donc, monsieur Willow, on va récupérer ça, on va récupérer ça. Il faut que je fasse évoluer un Pokémon. On va faire évoluer un Pokémon de Kanto. Un Mimitos. Allez, Mimitos, c'est parti en Aeromite. Ce sera très bien. Aeromite a évolué et donc du coup on récupère la jolie casquette et on va pouvoir récupérer le Pokémon ici qui est un Loclass. Très bien. Et donc du coup le professeur Willow nous parle encore une fois. Content que tu sois de retour, dresseur. Après avoir examiné ses rapports, on dirait bien que c'est le travail de Métamorph, le Pokémon Morphing. Métamorph réorganise sa structure cellulaire pour se transformer. C'est un Pokémon incroyable. Cependant, on dirait que quelque chose d'autre se trame. Peux-tu m'aider dans mes recherches afin que nous sachions ce qui se passe exactement? Je vais continuer mon travail ici pour tenter de découvrir d'autres informations qui pourraient nous aider. Et donc du coup, page 7 sur 8, attrape 30 Pokémon, attrape 15 espèces de Pokémon différentes et transfère 20 Pokémon. Et ben, il va falloir enchaîner les captures. Alors, je dois transférer 20 Pokémon, les voici, on les transfère, on les envoie vers Mr. The Professor, et donc, qu'on regarde, on est pas mal, voilà, récupère, machin, tout ça, et là, il va falloir que je continue à capturer d'autres espèces. Oh, Ammonita Shiny, le deuxième. Ça, c'est cool, j'ai Ammonita et Ammonistar, du coup. Deux que je n'avais pas, donc c'est parfait. Combien de temps il reste pour rentrer dans le Mewtwo? 28. Ouh, faut que je me dépêche. Faut qu'on se dépêche. Oui, c'est bon. Oui, oui, oui. Allez, allez, je veux pas être tout seul. Je suis tout seul! Non! On a un petit Otaria juste ici qu'on capture du coup pour la quête de la Ligue Pokémon. Machoc pas intéressant. Ramolos il compte? Et Ramolos j'ai déjà capturé je crois. Je crois que j'ai déjà capturé Ramolos si je dis pas de bêtises. Machoc? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est intéressant? Ah oui, je l'ai déjà capturé. Je l'ai déjà capturé juste avant. Il n'y a pas de souci. Tignon. Ah ça, je regarde. Non, il n'est pas shiny. Et ça y est, j'ai tout checké. On peut avancer. Lipoutou, nécessaire également pour cette quête. On y va. On va lui mettre une Hyper Ball. On va voir si ça marche. 1, 2 et 3. Lipoutou capturé, alors qui est-ce qu'il nous reste à récupérer? Il nous en reste deux. Alors regardons, regardons. Ah bah peut-être Porygon. Eh oui, possible. Porygon. Peut-être aller à gauche. Ouais, l'un des deux c'est Porygon. Et ensuite on va voir qui est le dernier qui me manque. Je sais pas trop lequel c'est. Je réfléchis. Je trouve pas. Mini Draco j'ai pris. Hop. Et c'est... Alors, celui qui me manque, c'est... Doduo.
il me manque Doduo qui n'est pas sur la map actuellement. Je vais prendre des Evoli parce que également les Evoli c'est intéressant puisqu'il va falloir faire des évolutions d'Evoli. Et comme c'est aléatoire, puisque je vous rappelle que les surnoms d'Evoli ne marchent que pour la première évolution, donc comme c'est aléatoire, il va nous en falloir pas mal des Evoli. Oh, Evoli Shiny! C'est pas mal! Ça va, c'est ok! Plutôt top! Hein. Allez, on lance la capture! C'est good! Aïe! 1, 2, 3, et c'est capturé pour Evoli Shiny! On va l'évaluer. Et il est 2 étoiles! Très bien, merci beaucoup! Et on est toujours à la recherche de Doduo, voilà, qu'on ne trouve pas, malheureusement. Et Doduo, juste ici, moi j'ai chopé, il est juste de l'autre côté. Je sais pas si vous l'avez aussi. Ok, c'était celui qui nous manquait. Je vais mettre une Frambi dorée parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Hop. Super, on va traverser, vous inquiétez pas de toute façon. Et let's go. C'est capturé, yes. Goopix sera mon 30e Pokémon nécessaire pour terminer la page de quête du professeur Willow. Du moins, si j'arrive à le toucher avec ma Pokéball, c'est bon. Allez, 1, 2 et 3. C'est capturé pour ce Goopix. Et on a donc attrapé 30 Pokémon. On va pouvoir valider la quête du professeur Willow. Et aller à la récompense à 9 chances et on a un métamorphe shiny, le voici, incroyable, il est si beau. Moi je mets Frambi doré, je mets Hyper Ball, ça ne sert à rien mais c'est pour le voilà le moment, le principe, tout ce que vous voulez. 1 2 et 3. Il est bleu, mais genre bleu flashy, quoi. Ouais. C'est assez fou. Hein. Ah oui, il est rose. Et évalué, il est 2 étoiles, malheureusement. Mais c'est super cool, beaucoup trop cool. Métamorph shiny. Et le professeur Willow, du coup, nous parle et nous dit, Newtituff, tu as rencontré un métamorphe chromatique. Je n'en reviens pas. Tu as fait un sacré voyage. Hein. Ce fut un plaisir de suivre tes progrès, comme toujours. Mais crois-le ou non, il y a encore un autre mystère à résoudre. Tu vois, après avoir étudié les recherches que tu as menées, je pense que nous sommes sur le point, nous sommes sur la piste du Pokémon nouveau, Mew. Nous avons rassemblé des données sur Mew dans le passé, mais quelque chose est différent cette fois. Je ne sais pas encore quoi. Quoi qu'il en soit, ce sera une aventure mémorable. En attendant, garde un œil sur une autre recherche qui va arriver. Ce sera une tâche assez difficile, mais je suis sûr que tu seras à la hauteur. Mais pour l'instant, des félicitations s'imposent. Tu as fait un super travail sur le thème de Kanto aujourd'hui. J'espère que tu partages maintenant des souvenirs inoubliables avec tes Pokémon et tes amis dresseurs. Merci encore pour tout ton travail. Et c'est parti! Merci Willow. On va donc récupérer toutes ces récompenses, avec notamment des bonbons métamorphes, j'imagine. Et des bonbons Mew aussi. Ça, c'est cool. Anusitov, heureux de voir que tu m'accompagnes dans cette expédition. Dis, as-tu entendu cet air? C'est ce que j'ai dans la tête. Je pense que c'est un air marin, c'est son Goélise. Qu'est-ce qu'il me dit? De quoi il me parle? Je ne suis pas marin, mais je sens qu'elle me porte chance après l'avoir fredonné. Quoi qu'il en soit, nous devons regarder de plus près l'étrange situation que nous avons découverte au cours de ton voyage sur le thème de Kanto. Je parle des rencontres avec Mew, le Pokémon nouveau. Il y a plusieurs rapports indiquant la présence d'un Mew chromatique, ce qui est passionnant. Donc l'objectif de cette expédition est de trouver non seulement l'un des Pokémon les plus insaisissables qui soit, mais de le trouver dans sa version chromatique. Tu as vécu plein de choses lors de tes voyages, Newtituff. Ce qui est merveilleux avec les Pokémon, c'est qu'il y a toujours de nouvelles choses à découvrir. J'espère que tu as hâte de savoir ce qui t'attend. En avant! Alors, envoyer 151 cadeaux à des amis et faire 151 superbes lancers. Ça va être long, mais va falloir le faire. Je récupère en tout cas les 51 Hyper Balls. Et je vais donc pouvoir valider les circuits, les différents circuits de collection. On a celui-ci qui m'offre un mini Draco. Très bien.
On a ensuite la collection Circuit Go Kanto Études. Donc là, grâce au Métamorph, on a réussi à la valider, celle-ci. Et on nous offre un Métamorph classique cette fois-ci. Je me demande s'il aurait pu être shiny du coup, le Métamorph qu'on nous offre. C'est, ça aurait été peut-être une possibilité. En tout cas, Hyper Ball. On y va. Le petit Métamorph qui va rentrer du coup. 1, 2, 3. Nice. Ensuite, est-ce qu'on en a encore un autre? Est-ce qu'on en a encore un autre? Regardons. Dans aujourd'hui, alors j'avais ces circuits-là, ce circuit-là. Non, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout pour le moment. J'ai pas encore validé le reste. Si, ça, non, pas encore. Ok, très bien. Il faut encore que je fasse un combat contre un dresseur du circuit. Go! Je viens de battre le dernier dresseur dont j'avais besoin pour valider la quête Kanto, vaincre tous les adversaires. Les draps adversaires, c'est des draps adversaires, c'est plus pire que des adversaires en fait. Et écoutez, on va capturer Ronflex. Maintenant que j'ai capturé le Ronflex, après de nombreux essais, et j'ai enfin réussi, je peux valider du coup cette quête et récupérer l'œuf chance et les CT qui me sont donnés. C'est parfait. Et là, il ne reste plus grand chose à faire. Et ça, c'est cool. Mini Draco Shiny. Bon, écoutez, pourquoi pas. C'est pas... Bon, je suis pas super content parce que j'en ai déjà plein, mais c'est pas grave, c'est toujours cool. J'aurais préféré avoir autre chose. Un Sabelette, un Taignon. Mais c'est pas grave. Allez, c'est capturé. On va l'évaluer pour voir un petit peu ce que ça donne quand même. Hop. Non, j'ai cliqué sur transférer, c'est plutôt évaluer, moi, que je veux. Et il est 0 étoile. Yes. Evoli Shiny, le deuxième aujourd'hui. Ils ont dû le booster, hein, les Evolians. Parce que là, tout le monde l'a. Tout le monde l'a eu. Qui n'a pas eu Evoli Shiny? Moi. Ah, okay. Bon, deux, ouais. Moi, 2 sur 6, donc c'est quand même une bonne flopée, quoi. Nice. Oh, l'Hippoutou Shiny! Ça, c'est beaucoup trop cool. Ça, c'est beaucoup trop cool. Il est juste un peu plus rose. Ah, j'étais justement en train de me dire, mais personne l'a eu en Shiny, l'Hippoutou. Je me demande s'il peut vraiment être dans la nature. Et oui, il est là. Ah, ça c'est un beau... Ça, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Nice. L'Hippoutou, évalué. Et il est claqué au sol, mais il est beau. Mais il est beau. Et sac de nœuds shiny, ça c'est top parce que j'en avais qu'un seul et il me le fallait pour boule de nœuds. Donc c'est assez incroyable. Alors j'arrive pas à lancer la boule. Ok, c'est lancé. 1, 2 et 3, c'est capturé pour ce sac de nœuds que je pourrais faire du coup évoluer. Et ça, c'est la bonne nouvelle, on va évaluer. Il est une étoile malheureusement, mais c'est pas grave. On se fait un échange là avec Camille, il m'envoie un insécateur shiny, j'envoie un scarabouche shiny, ce qui nous permet d'avoir des shiny en plus, mais aussi de compléter notre quête échange. Puisque lui, il lui faut un scarabrut et moi un insécateur, donc c'est parfait. Et ça me permettra de faire un Cisaiox. Je vais l'évaluer. Et il est 2 étoiles, mais son attaque est claquée. C'est pas très grave. Mais c'est top, c'est une bonne nouvelle. Donc cette fois-ci c'est AK qui m'échange un Misterbe. Je choisis de lui mettre un Moonja parce que aucune raison particulière. Au début je voulais lui mettre un Muna et puis je me suis dit que j'en avais pas beaucoup, alors du coup j'ai mis un Moonja. Et ensuite il me faudra un Ferrosynth. Est-ce que quelqu'un a un Ferrosynth en trop? Je le vois. Du coup, comme Aka n'a qu'un seul Ferro-Singe, eh ben, on a décidé de faire un échange Ferro-Singe contre Ferro-Singe. C'est pas bête. Et c'est parti pour cet échange de Ferro-Singe.
Parfait. Et donc là, normalement... Il est chanceux. Il est chanceux ? Ouais. Beaucoup trop cool. Ah oui, moi aussi. Oui, du coup, oui, forcément. Et donc, du coup... Oh, yes ! En plus, il est vraiment bon. Hein. Il est vraiment bon. Et, incroyable. Incroyable. Bah, écoutez, je pense que je vais le faire évoluer. Hein. Puisqu'il veut faire les évolutions, donc ouais. Autant faire évoluer Férosinge. En Colossinge. Et puis, ça ira très très bien. Bon, c'était une bonne opération, du coup. Et donc, on a réussi, normalement, la dernière collection qu'on avait à faire de cette journée, c'est celle-ci. La version rouge échange avec un 9 chance, une nanana argentée. Et ça y est, on a fini toute la liste. Ah non, il reste les évolutions, bien entendu. Mais ça, on les fera. Je les ferai plus tard, je pense, quand je serai rentré à la CAFA. Allez, on va partir sur des échanges spéciaux. J'en ai déjà fait un. Je vais en refaire deux. Là, j'en fais un avec Flo dans un premier temps. Il veut un Porygon. Donc du coup, on va aller dans nos échanges, nos amis. On va aller chercher Edo Flo. Et on va lui proposer un échange. Donc ouais, parce qu'il a pas pu faire le community day Porygon. Bah si, t'as pu le faire, mais t'as pas eu le shiny. Porygon, écoute, tiens, t'auras celui-là. Parfait. Ah non, il est... Quoi ? Ah, il est pas shiny. Tu t'es posé... J'ai fait le pied. C'est incroyable. C'est incroyable. Il a pu m'arnaquer quand même. Hein. J'allais lui donner un Porygon non shiny, tu sais. Au calme. Eh bien, je vais te donner ce... Attends, il y en a un que j'ai pas fait évoluer jusqu'au bout. Je vais te donner celui-là. Suivant. Let's go. Tu l'avais vu ? Ouais, même quand j'avais pas cliqué sur valider, t'as vu quand même que c'était un non-shiny. Le mec est fou. Allez, c'est parti. Et... Taignon. Shiny, avec ses points bleus, son corps un petit peu verdâtre. On va l'évaluer. Et il est... Il est 2 étoiles, il est pas si mauvais que ça, il pêche un peu en PV. Et cette fois-ci, c'est un échange avec Camille, de nouveau. Et cette fois-ci, on va tenter sur un canartichaut. Canartichaut. Alors, parce que j'en ai... Ah, pourquoi je peux pas les échanger ? J'ai pas assez de poussière d'étoiles. T'as pas assez de poussière d'étoiles. Ton ami n'a pas assez de poussière d'étoiles. Ah, dommage. Très ballot, toi. Bon bah tant pis, et bah pas d'échange avec Camille. Qui veut un canartichaut shiny ? Qu'est-ce que vous avez en monnaie d'échange ? Donc finalement c'est Aka qui m'échange un Abo contre un Scarino que j'avais capturé à l'époque en Floride. Et ben c'est parti, on y va. Ça lui permet de compléter son Pokédex et moi ça me permet de compléter mon Shiny Dex. Donc c'est gagnant-gagnant. Et puis ce qui est cool avec Abo c'est que même si j'en chope un... À un moment, et ben, ce sera toujours cool parce qu'en fait, Abo, il m'en faut deux. Un pour Arbok, un pour Abo. Donc c'est cool. Ouais, mes cheveux, c'est incroyable. Hein. C'est hallucinant. Hein. Et c'est chanceux encore. Encore. Mais hey, Aka, hey. On va faire que des échanges toute notre vie. Mais oui. Et ah du oui, coup... Bon. Oh, oh il est... Ouais, il était vraiment mauvais. Hein. Et là, bah, le mien, il est pas mal aussi. Il est de 80... Ouais, 90%, quelque chose dans le genre. Et eh ben super, incroyable. Bon, je vais maintenant rentrer chez moi de manière eh bien, à pouvoir me poser un petit peu, qu'on fasse un petit bilan sur ce qu'on a eu durant cette journée et également qu'on fasse nos évolutions, c'est important. De retour chez moi, je fais les évolutions, les amis, et je vous retrouve eh bien, juste après pour faire un petit débrief des shiny que j'ai peut-être eu entre la dernière séquence et celle-ci, et puis les shiny que j'aurais peut-être eu d'ici ce soir. Et ça y est, je suis rentré chez moi, j'ai enfin fait toutes mes évolutions, comme je vous le disais dans la séquence juste avant. Et donc du coup, on va eh bien, récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé, mais on va d'abord eh bien, valider cette dernière quête de collection du circuit Kanto. C'est parti, on y va, let's go, c'est récupéré. On a les super bonbons, les poussières d'étoiles, 15100 d'XP et on va avoir une nouvelle médaille ou on l'a peut-être déjà eu, je ne sais pas. En tout cas, sabelette, pas shiny. Très bien.
Et on va eh bien aller juste voir combien d'XP on a, puisque j'ai mis un petit œuf chance pendant les évolutions. Et donc du coup, il est possible qu'on ne soit pas trop mal en termes d'XP. Et donc, on a 985 850 d'XP sur les 7 500 000 nécessaires pour le niveau 42. Donc on n'y est pas encore, mais ça va arriver petit à petit. On va cliquer sur ce Psycho Quack, pas shiny. Je voulais voir dans nos quêtes, la quête spéciale, tout en un numéro 151. Il faut envoyer 151 cadeaux à des amis, j'en ai envoyé 7. Et il faut faire 151 superbes lancers. Pour le moment, j'en ai fait 19. Donc on n'y est pas encore, mais ça va se faire dans les prochains jours, les amis. D'autre part, vous voulez peut-être voir les nouveaux shiny que j'ai eu. Alors attendez, hop, on clique sur le Psycho Quack encore une fois. Vous voulez peut-être voir les nouveaux shiny que j'ai eu. Si on va dans mes Pokémon et qu'on regarde eh bien, dans les Pokémon chromatiques, j'ai donc, depuis eh bien, que je vous ai quitté, trouvé un Rakaillou. Voilà, un petit Rakaillou juste ici qu'on va évaluer. Comme ça, vous voyez combien il est. Il est une étoile. J'ai trouvé un Meowth shiny également. Très très cool, mais il est 0 étoile. J'ai trouvé un deuxième Chetiflore shiny, donc ce qui pourra me faire un Ampiflore. Et un Exelang shiny. Voilà. Et après, bien entendu, pour récapituler, on a eu un Tainion qu'on a obtenu dans l'échange, un sécateur également. Et ensuite, par nous-mêmes, on a eu sac de Nœud, Liputou, Evoli, Mini Draco, Métamorph, bien entendu. Evoli, Ammonita, Scarabrut, Chetiflore, Titar, Canartichaud et Salamèche. Donc ça nous fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 shiny trouvés par nous-mêmes, 19 si on compte celui que j'ai échangé contre l'insécateur. Et donc du coup, c'est plutôt pas mal que 18 si on enlève le métamorphe. Donc pour le moment, c'est pas mal. La journée n'est pas terminée, bien entendu. Il est actuellement 16h30. Il y a encore jusqu'à 21h. Je vais garder un œil sur mon téléphone, bien entendu, de manière à pouvoir éventuellement checker certains Pokémon. Mais ce sera pas dans cette vidéo. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez kiffé cet événement, eh bien, n'hésitez pas à me le dire via un pouce bleu. N'hésitez pas également à me dire combien vous avez eu de shiny pendant cet événement si vous y avez participé. Et puis on se retrouve eh bien, très très vite pour de prochaines vidéos. Et puis n'oubliez pas, pour level up, toutes les infos sont dans la description. Restez comme vous êtes car vous êtes super. C'était Nucitof et bye tout le monde.